Évidemment, pour pas changer les bonnes habitudes, je me trompe encore une fois. Alors, voyons voir. Est-ce que ça fonctionne? Oui. La qualité 1080p, c'est génial. Ensuite, on est à ici. C'est good. On va juste changer du coup les titres. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous mets le jeu dans un court instant. Campagne. Ghost. Wildland. Ok. Ensuite, on a juste ici aussi à devoir modifier. Voyons voir. Oui, ça va pas si je suis avec ce compte-là. Les connexions. Hélico de l'Unidad en patrouille, attention. Ah, comme par apparemment vous entendez le jeu, alors c'est génial. Hein, ah, j'espère on va pas se faire cramer, sinon ça commence mal. Hein. Hop, ok. Alors on va éditer ça. Modifier. Ok, bon écoutez, hein, je suis pas rapide comme l'éclair encore pour l'instant. Voilà, c'est bon pour moi, tout est modifié. Hop, on va juste modifier le jeu du coup sur Twitch. On va mettre bah, Tom Ghost Recon Wildlands. Ok, c'est bon. On va prendre le chat. Alors attends. Chat, ok. C'est bon, tout va bien. On va juste regarder ce que ça donne. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est good. Le jeu va vous app va apparaître. Bah maintenant vous allez voir mon écran. Je vous mets ça là. Ok, bah, génial. Ça, bon, écoutez, je suis désolé, je suis pas très très fluide, mais disons que voilà. Le jeu, il prend pas. Enfin, c'est vrai qu'avec une 1070, c'est quand même un petit peu compliqué de faire tourner le jeu en ultra, quoi. En pire, on changera toujours les graphismes. Alors. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Localiser Carlos sans vous faire repérer. Monsieur Carlos, très bien. C'était bien ma partie, ça? Exact. Alors, apparemment, ils ont rajouté. Alors, il y a une mise à jour, je n'étais même pas au courant. Écoutez, je démarrais le jeu et voilà ce qui se passait. Ok. Bon, bah, il y a eu des mises à jour. Il y a lui qui s'est rajouté, du coup. Allez, hop, on va rejoindre l'autre gars là-bas. Les lever, c'est pour faire quoi déjà? Ok, ça c'est pour les faire les stoppies. Ok, c'est contrôle pour faire les levées. C'est bon, je comprends. Wouh! Y a l'unidad. Oh. Attendez, attendez, attendez. Il m'a encore tué des. Putain, merde, la moto. Hop, voilà. Mais ça sert pas à grand chose, écoutez. Bon, moi je suis fier, j'aurais sauvé des gens. On va passer par les champs parce que ça me. Oh, casser les. Oh putain, merde, y'a l'hélico de l'Unidad. Ah! Ah, c'est chaud quand même. Hein. On n'est pas sur GTA en moto. Hein. Enfin, on n'est pas tout court dans la conduite du GTA, quoi.
Ok. Je suis pas sûr que le chemin que je viens de prendre m'a servi à grand chose. En fait, c'est un raccourci pas trop raccourci, quoi. Ça veut absolument rien dire. En fait, je viens de me demander un truc. Est-ce que... Attendez. J'ai regardé un truc. Est-ce que vous m'entendez? C'est la chose que je suis en train de me demander. Arrête-toi là, moto de merde! Attendez juste. Vous m'entendez? C'est la chose que je suis en train de me demander. Arrête! Ok, c'est bon en fait. Autant pour moi. En fait, je crois même que vous m'entendez un peu trop fort. Un peu trop fort, à peine un peu trop fort. Bonjour. Oh, une lambeau. Je crois que c'est parce que je crie un peu trop. On va arrêter de crier, écoutez. Alors, je sortirai juste, pense, une petite vidéo pour faire. Pour vous dire le. Oh putain, merde, c'est vrai que je suis déjà arrivé. Faire le planning des streams, etc. Parce que je suis pas sûr de sortir des vidéos, mais faire que des streams. Hop. C'est quoi déjà mon bouton pour se coucher? Non, c'est pas ça. W. Ouais, c'est ça. Non, c'est contrôle. Ok. Oula! Viens pas me dire j'ai crash. Hélico en approche. J'ai Carlos en visu. Ce mec là? Attends, c'est pas possible. La fille de 12 ans pourrait lui foutre une branlée. Autant éviter de lui faire peur. On se met en retrait et on le laisse nous mener tout droit à son frangin. On va chercher la bagnole. On va prendre la moto, on va prendre la moto. Juste un peu peur de faire trop de bruit avec la moto, quoi. Ah, ça devrait aller. Ça devrait aller. Recule avant de te faire repérer. T'inquiète, j'ai presque à 200 mètres. Quoi, 52 soldats? Ah non, 2 soldats. Bonjour. J'adore les levées dans le jeu, c'est abusé. C'est pas tout ça, mais on va un peu le perdre. Mais c'est abusé les stoppies qu'on peut faire. Mine de lithium, une mine expérimentale ménagée par le gouvernement. Oh, un désert! Oh merde, putain, j'ai cru qu'on pouvait aller dans le... Mais c'est pas un désert, c'est une mine. Oh! Ok, c'est parti. C'est ça, Hernando? J'imagine. Ces petits bras, c'est eux les croque-morts? Ceux qui font crever de peur tous les habitants? Bon, on fait quoi? On chope Hernando et on fait cracher l'emplacement d'Aveda. Ok, c'est pour Carlos. On s'en fout. Maintenant, c'est juste un obstacle. Celui qu'on veut, c'est Hernando. Bien reçu. Ennemi désigné. On va à peu près regarder comment est-ce que les ennemis font. Enfin, pour circuler. Y a un ennemi là. Il est là, ok. Et la oh. Maman. T'es sûr que c'est des jumelles? Né, ta gueule. Par quel huevo tu?
Quel monde d'enculé cela, c'est abusé. On va prendre le pistolet, avec le pistolet on fait moins de bruit. C'est bien ce que je pensais, on peut pas rentrer dedans. Donc. Ok. Je vois une troisième cible. Où ça? Ok. Non, c'est pas lui, il me faut celui qui est là. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. On voit ce que ça donne. Un mic là. Il y a encore 2-3 mecs à l'intérieur. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Oh, c'est mal foutu. Moi cramé, mais non. J'ai trouvé une des médailles du cartel. Il y a un sicario qui va s'en foutre. Ah, pitié, je me rends. Ok, nous on va se casser avec lui. Allez, go, 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 go. On conduit, on se casse. Allez, moi je te laisse m'en occuper. Hop. Ouais, elle est lente la voiture, c'est bon, on est jamais arrivé. Là, il y a encore des ennemis, on va passer par là du coup. Hop, nickel. Ensuite. En fait, je crois que vous m'entendez beaucoup trop fort, du coup ça. Ça sature, on va faire. Je vais faire essayer. Faut voir ce que ça donne. Est-ce que ça sature ou pas? En fait, j'ai clairement l'impression que ça sature. Ok, bon, je vais juste baisser un peu la puissance de mon... Enfin, la puissance, vous m'avez compris. Le gain du micro, on va faire pour que quand je parle, ça soit pas dans le rouge non plus. Hop, voilà, on a baissé le gain. Ah! C'est bon? Ah, mais à part... Oh putain, en fait, j'ai une mise à jour Epic Game. Et apparemment ça a quand même l'air, le stream a l'air quand même d'être tranquille quoi. Bah ça va, ça va. Écoute, c'est pas dérangeant, puis après on va être sur Fortnite hein. Ah voilà, le micro est quand même mieux comme ça. Ok. Ah, du coup maintenant toi je vais te prendre. Why? Un de ces lags. Ah pitié, je me rends. Oh ta gueule, tu me casses les pieds. Ok. Hop là. Coude, coude. C'est quoi ça? Vous êtes qui, putain? Où est Reed? Qui ça?
Je vois pas de qui vous parlez. Joue pas au con, Hernando. Soit tu me dis où je peux trouver Reed, soit je balance tout ton trafic d'êtres humains à notre ami Sueño. Je sais pas où est Reed. Ce type se pointe quand il a une livraison à faire, ou bien quand il y a vraiment une urgence. On est d'accord, c'est une urgence, pas vrai? Il y a un code spécial. Je dois le taper sur un portable à côté de la piste. Quand Reed reçoit le signal, il atterrit, c'est tout. Donne-moi le code et dis-moi où se trouve l'aérodrome. Bowman, on a eu les frères Guerrero. Ah bah il n'a pas dit. Ils en ont fait baver. À ton avis. Et alors, ça donne quoi? Un code pour faire venir Reed jusqu'à un aérodrome pas loin d'ici. On sera là pour l'accueillir. Formidable. À toi de jouer. Bon bah Goyali, ça veut dire. Venez. Mission principale. C'est bon, on y va. C'est là où il y a l'aéroport. Ouais, nous c'est avons ça. L'emplacement et le code nécessaire pour faire sortir Reed de sa tanière. Monte là, vas-y, je dépuis. Un piège et l'éliminer. C'est le K4, il avance pas, le 4-4. On n'est jamais arrivé, hein. Ah, on va éteindre la radio, on va laisser la radio. J'espère juste qu'elle est pas soumise à des droits d'auteur. Sinon, je vais encore me faire baiser. Oh, il faut plus dire de gros mots, plus aussi, c'est vrai. Ça fait mal. Oh putain, c'est vraiment devenu de la merde, hein, YouTube. Abusé. On n'est jamais arrivé comme ça. Oh. DJ Perico qui vous balance du gros son. Wesh Perico. On arrive à l'heure de pointe. Si vous êtes dans les bouchons en train d'écouter Santa Blanca Radio, Chingon Rafa. Je sais qu'à Kouani, il y a toujours des bouchons vu le nombre de camions, de voitures et de trains qui passent de la marchandise au Brésil. Ouais, la map elle est quand même énorme, c'est abusé. C'est quoi ça? Mission principale. Dans la petite ville de Huertas, c'est une mission impossible pour circuler à toutes les heures du jour et de la nuit. En même temps, il y a quelques années, il passait quoi dans le coin? 2-3 camions de la mine. On arrive à la piste d'atterrissage. Plusieurs ennemis couvrent le site. J'avais pas fait gaffe. Je déploie le drone. J'en vois un autre. J'en vois un troisième. Wesh, ils sont combien là? Oh, ça me casse les pieds. Ennemi repéré. 9 et 1 qui font 10. Ok, bon. Un de ces trous de cul a pas vu son. J'ai eu peur là. C'était juste. Pour être dur, c'était juste ça. Merde! Elle va me casser les pieds celui-là. C'est quoi, c'est B hein? Wesh. C'est quoi le bouton déjà pour... Ah, lance-grenade, c'est V. Hop, on prend les munitions. On va faire ça avant tout, hein. Eh, plus quoi encore. On va indiquer aux rebelles où trouver ces marchandises. Ils nous renverront la sensation. On va aller aussi ça.
J'enregistre les codes. Reed devrait pas tarder à recevoir le signal. Il sera bientôt là. Tout le monde en place pour l'embuscade. Non, je propose on prend l'hélico et on se taille. Allez, hop, 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 hop. Allez, sur les tourelles. C'est moi qui pilote. Voilà, c'est un peu normal, t'es seul à pouvoir piloter alors. Cible en approche, préparez-vous. Ouais, comment ils sont beaucoup les frères. Abusé. En vrai, ils sont là quand même assez rapidement. Hein. Heureusement, il n'y en a pas un maximum d'essence. Hein, parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Ok, ok, ok. On va faire ça dans un. Attention. Et maintenant. Tout le monde est prêt. Ouah, c'est abusé. Wesh, mais il faut qu'ils prennent combien de balles l'hélico de merde là ? L'hélico est foutu. Mais. Ah merde. Allez hop. Le trafic d'êtres humains aurait dû nous sauter aux yeux. Depuis le temps que la région en souffre, quelqu'un de la Santa Blanca devait forcément tremper là-dedans. Je me sens vraiment conne. On a arrêté Boston Reed et libéré une poignée d'innocents. C'est une bonne journée. Alors, point de compétence. Moi j'aimerais bien améliorer mon drone. À la portée. Aïe 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 aïe. Ouais, on fera meilleur ça plus tard. Meilleur que d'autres en tout cas. Bowman terminé. On a quoi ici? Mission principale. Tout porte à croire que Boston Reed... Le cartel semble préparer quelque chose au cimetière de train. Allez sur place pour en avoir le cœur net. En fait, c'est... tout est sur zone, en fait. C'est autour de ce qu'il y a là, quoi. Ok, ok. Ah! Ouais. Ah, c'est pas passionnant la catastrophe, hein. Un instant, il y a des signes d'activité du cartel droit devant. On dirait que Bowman avait raison. On fait quoi, chef? On va trouver le poli héros du coin, voir ce qu'il peut nous apprendre. On va tuer le snipe, comme ça il va pas me casser les pieds. Si c'est un groupe de touristes, je veux bien bouffer mes grolles. Tu penses que ça a un rapport avec Reed? Y'a qu'un moyen de le savoir. On est prisonnier? On les libère si on peut, mais c'est facultatif. Ça marche? Ça marche. Je perçois un lieutenant de la Santa Blanca. Ça m'a tout l'air d'être le type qu'on recherche. Je le vois. Petit rappel, il nous le faut vivant. Ah! Allez! Allez, vol, vol, vol! Attendez. Tire libre, tire libre. Ok les gars, vous me cover, vous me cover. Je le fais mon zéro. Ah ouais, mais c'est vrai qu'ils comprennent pas ce que je dis. J'en ai marre de me battre, vous entendez? Allez, 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 on l'embarque et on décolle. Putain, pourquoi il a éteint l'hélico, l'hélico se trouve du cul là. Maria Purissima. On attend.
Allez, on dégage. Dégage. Oula. Je vais même plus parler non plus. C'est grave ça quand même, c'est grave. Ave Maria, policia. Est-ce qu'ils vont venir me casser les pieds si je continue à aller par là? Ouais. Piste d'atterrissage improvisé. Hop, on va atterrir juste là. J'en ai marre de me battre, vous entendez? Oui, tu me l'as déjà dit, connard. Tu calmes, d'accord? Allez. Calme à tes poisses. On peut discuter, non? On doit pouvoir trouver un accord, vous et moi. Un accord? Je te propose ça. File-moi Reed et je te fais pas sauter la cervelle. Aguanta, aguanta. Ah, mais en fait, j'ai fait la mission dans le mauvais sens. Toujours par des intermédiaires. Et tous ces gens-là, d'où est-ce qu'ils viennent? Merde. 5 ou 6 villages qui sont son terrain de chasse. Là-bas, quand quelqu'un disparaît, personne ne pose de questions. Ah, c'est simple. Et le cartel, il a droit à une part? Non. Ça, c'est notre petit secret. Si Sueño l'apprenait, on finirait tous chez El Pozolero. Je veux une liste des villages où vous vous approvisionnez. Maintenant. Tranquis. C'est bon. Tout ce que vous voulez. Mais c'est pas moi qui vous l'ai donné. Está claro? Allez hop, salut, connard. T'avais raison concernant Reed. Ce fils de pute gère un trafic d'êtres humains au nez et à la barbe de Sueño. Hop là. Formidable. C'est peut-être le moyen de pression qu'il nous... Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore! Ah, c'est long l'émission, c'est long! En plus, on l'a déjà fait! On l'a fait dans l'émission dans le mauvais sens! Scott, leader d'une fadiste qui se trouve actuellement en Bolivie. Faut pour faire sortir Reed. Continue sur cette piste, nomade. On va voir où elle nous mène. Et pour le réseau de trafic de coke? On ne va pas se priver de suivre cette piste-là aussi. Reed est au centre des deux. Avec un peu de chance, on pourra faire d'une pierre deux coups. Bien sûr, nomade. Et Zébardi! Ça a combien? 6 km, allez! Ah, y'a peut-être un avion. Oh, triste. J'aurais bien voulu avoir un avion. Bon, c'est à 5 km, on va sûrement sauter en avion là-haut. Ça va pas être trop embêtant. On va monter à 2000 mètres d'altitude. Ça, on va mieux les choses à faire. J'espère. Enfin, oui, non, j'ai des choses, j'ai le parapluie. Ouah, je sais plus parler en plus. Ah, abuse. Le parachute, voilà. C'est quoi ce qu'il y a en bas? On dirait des rizières, sauf qu'à mon avis, c'est des champs de coke. La coke! Abusé parce qu'on sait, je sais vraiment pas où ils peuvent être, à part peut-être quoi sur le pied. Pourquoi ils sont seraient là sur la montagne, je comprends pas. On va bien ma voix, on va bien voir pourquoi. On va sauter de toute façon bientôt, on saute. MDR l'hélico. Mais il a explosé? Je sais pas s'il a explosé en fait. I don't know. Salut. Merde. En fait, avant, genre, dès qu'on appuyait, sortait le parachute hyper tôt. Et là, pas. Merde. Ah, je suis mort au combat. La blague. Ah, oh putain. Ah. Mais non, abusé. Coup dur, coup dur. Oh mon dieu. On va refaire du coup. Bon, après, si les chargements sont un peu longs,
J'ai bien quoi. En plus, je crois que j'avais entendu parler qu'il voulait faire un 2. Enfin, il me semble. Hein. Après, j'ai pu totalement me tromper. Mais bon. Oh, oh, ils ont du beau matos là. Machin là. Hein. Ah, moi je suis full munition. Salut, commandant. Ah merde! Je suis obligé de parler comme ça. Nomade. Eh ben, ça faisait un bail. US Army. J'espère que tu te plais en Bolivie. Ça va. US Army quand même. Sur la brèche. Justement, j'ai un problème sur les bras. Je comptais un peu sur ton aide. J'écoute. Apparemment, il y a beaucoup plus que de la cocaïne en Bolivie. Ils ont carrément découvert des gisements d'uranium et ils ont déjà commencé à l'exploiter. Merde. Attends, c'est pas fini. D'après nos rapports, des ultranationalistes russes s'y sont mis aussi. Ils donnent un coup de main en échange d'une part du gâteau. L'info est confirmée. On a déjà un ghost sur place. Un petit futé qui a infiltré les rangs de l'UNEDA en se faisant passer pour un agent russe. Son nom de code, c'est Little Brother. Charmant. L'UNEDA s'apprête à expédier des échantillons en Russie. Le but du jeu, c'est de les intercepter. Établissez le contact avec Little Brother. C'est lui qui pilotera l'opération. Bien reçu. Salut. 900 mètres. Écoutez, je voulais prendre votre véhicule, il a l'air pas mal, blindé et tout, alors... De toute façon, je vous laisse pas le choix, puisque... Voilà. Bordel. Mitchell en personne qui rappelait qu'en Bolivie. J'espère qu'il a pas perdu la main depuis le temps. Sûrement pas. Eh, de toute façon... Voilà, c'est un beau petit véhicule, ça. À canarder, ça lui reviendra. Mais ça va être les grandes retrouvailles. De ces suspects, moi, je veux le même. Oui. Alors, chicas, soyez des mandonas. Si vous êtes tous ces mâles. Ouais, je m'en fous. Et ta gueule, je m'en fous. Oh, en fait, j'ai cru que c'était du métal, mais pas du tout. Ici, nomade. Arrêtez de m'appeler comme ça, bordel. Vous pourriez pas trouver un truc un peu plus classe? Genre quoi? Je sais pas, moi. Genre Spade. Ça, c'est la classe. Je vais pas compromettre l'intégrité opérationnelle de la mission parce que ton nom de code te défrise. Si ça te fait chier, vois ça avec Griffin. Pas la peine de s'énerver. Disais ça comme ça. Bon, on n'a pas que ça à foutre. C'est quoi le topo? La zone est complètement bouclée. Le seul mode d'insertion possible, c'est sauter. Il va falloir vous déployer depuis la falaise, là-haut. Ça peut être quoi, le comité d'accueil? Je vais vous dégager une zone d'atterrissage. Faudra pas être trop regardant non plus. Une fois sur place, pas sûr que vous ayez le temps de vous coiffer. Ah, il est drôle, lui, je l'aime bien. On va se faire allumer. Ça fait mal. J'ai peur, hein. J'ai clairement peur. Hein. Non mais en plus, c'est le seul moyen d'y aller, c'est par ici, ça veut dire que c'est quand même bien bien protégé quoi. Limite. Ah, parachute. Oui, oui, je sais, j'ai déjà utilisé. Oh. Ah mais ça y est, je me souviens, une fois j'étais là. Confiance à ce petit con. Griffin s'est porté garant. Mais c'est pas Griffin qui va se retrouver parachuté au beau milieu d'une oh base. Oh putain. Des fois, il suffit d'y croire un peu. Une fois j'étais là, oh, j'étais dit instantanément. Griffin. Mais c'est quoi cette merde? Ouah, mais non là. Et seulement on aimerait sauter un peu. C'est grave ça quand même, c'est grave. Non, moi je suis pas assez haut non plus. Alors là, ça c'est. C'est pas normal non plus. Ubisoft, vous avez mal fait la mission. De gros PD. Et je suis censé remonter comment moi? Parce que d'ici je suis pas sûr d'arriver avant. À pied. Je vais finir à pied, je pense. Bon bah écoutez, on va essayer de sauter d'ici. On devrait y arriver. On devrait, on devrait. J'espère on va pas se faire détecter. On espère. Base fortifiée Condor. Ah oui d'accord, carrément. Condor quoi. Condor. C'est grave. Y'a pas de sniper apparemment, c'est une bonne nouvelle.
Ah, le monde. Ah. On y est. Wallah, c'est pas moi qui l'ai tué. Et je suis pas bien, c'est abusé. Hein. Salut, mec. Ravi que vous soyez tous là. On aime le travail bien fait. En attendant, l'Unidad a déjà embarqué la cargaison dans un hélico. Il attend plus que le signal pour transférer le tout. T'aurais pu grimper dedans et foutre le camp, non? C'est plus compliqué que ça. Niveau sécurité, ça rigole pas. Les commandes sont protégées par un code, et le seul à le connaître, c'est le pilote. Bon, on lui tombe dessus et on lui fait cracher le code. Qu'est-ce qu'on fout là déjà? Le petit champion aurait pu gérer sans nous. Le code change tous les jours. Comment j'aurais pu savoir à quel moment vous alliez débarquer? Avec le code, t'aurais pu te barrer d'ici quand tu voulais. J'ai pas raison. Ouais, enfin, tout le monde n'est pas capable de piloter ça. Non! Oh putain de merde. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une combi à camouflage optique. Du camouflage réactif? Ça sort d'où, ça? C'est juste un prototype de Skelltech. On m'a demandé de le tester sur le tas. Ah, moi, je veux ça, exactement pareil. Un jour, peut-être. Ah, moi, je veux ça, pas à moi. Le drone a décollé. Oh, putain, madré. Sous câbliette, ils ont mis un brouillage. Bah on peut y aller sans les jumelles, du coup il va falloir y aller à pied et... Deux soldats en visuel, vers l'héliport. Désolé si je parle pas beaucoup, je suis hyper concentré sur la mission puisqu'apparemment il est dur comme jaja. Ah, générateur, on va éteindre le générateur. T'en as un sur le dos. Hein? Ennemi numéro 3. Danger immédiat. Oh ta gueule toi, tu me fais stresser plus qu'autre chose. On sera dégommé dès qu'on aura décollé. On aurait intérêt à neutraliser les générateurs. Ouais bah c'est ce que j'allais faire du coup. Enfin vaut mieux que tu fermes ta gueule. Ces batteries SAM commencent sérieusement à me gonfler. Ok ok ok, bon, on y va. Normalement le bruit... Ok c'est bon, y'a plus de bruitage, on est bien. Et mais c'est abusé, il se doute de rien alors qu'il y a plus d'énergie quoi. Oh non, y'a un sniper. Oh, ça va être chaud ça par contre. Ça va être extrêmement dur un sniper. Mais au final, il est où cet hélico? Parce qu'il me demande d'aller à un endroit, je sais pas. Ah oui, autant pour moi, non j'ai rien dit. Ils sont à 4. Ouais. Un sniper en haut de la tour. Pourquoi c'est moi qu'ils envoient à ces missions? C'est grave ça. C'est grave. J'ai trouvé une caisse d'armement. Ah mais j'ai la vision nocturne. Oh, on peut faire des beaux trucs là.
Ça ira bien avec mes bottes. On va essayer de rentrer. Contact ennemi en approche. Lieutenant désigné. Le lieutenant mort. Ouais, ça va être les plus durs à tuer sûrement. Ok, j'y vais. Je rejoins une meilleure position de tir. Mais c'est grave ça, il l'aurait même pas. C'est bon. J'attaque l'ennemi. Là, on les a énervés. Il est mort. C'est bon, y a pas de casse. Voilà le pilote. Bouge plus MDP, bouge plus. Recule, tu vas te faire griller. Ok, je l'ai. On est là pour l'hélico, balance le code. Je dois être, à topis diat. Va falloir me parler autrement, sinon on va pas vraiment être copains. D'accord, je vais vous dire le code. C'est abusé. Je parle russe moi, j'aurais pu l'interroger. C'était pas la peine de le secouer comme ça. On a eu ce qu'on voulait, toi... Occupe-toi de nous faire monter dans l'hélico. Je vais noter la position. Hélico de l'Unidad, profil bas. On se fera aligner à la seconde où on aura décollé. Vous le savez, ça? Avec l'uranium à bord, ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque. Pas vrai? Tu veux prendre le pari? Ouais, je me disais bien. Ça serait complètement débile. Le plus débile, ce serait de nous laisser filer. Ils auraient plutôt intérêt à se débarrasser des preuves, finalement. Non mais c'est abusé, on voit rien. C'est loin. Ah oui, c'est vraiment à l'autre bout quoi. C'est ouais, génial. Génial. Un mec là. Il y a un mec là-bas. Ouais. Sniper, en haut de la tour. Ah.
Hop. Soldat en visuel, il est armé d'un pistolet mitrailleur. Près de l'héliport, là-bas. Les gars, tête de nœud, il y en a un tout près. Ils sont pas mal, hein. Drone actif. Avec lui, ça fait 5. 1, 2. Cible prioritaire en visu. Je me mets en position, je vois un poste de tir. Cible repérée. Je l'ai aligné. Je plombe ces fils de pute. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, ça va, vous tenez le coup. Je prends les commandes. Allez, 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 monte. On décolle et on se casse. Partout dans le secteur. Le seul moyen de leur échapper, c'est de voler à basse altitude et de passer par ce canyon. C'est dans vos cordes. Pas question de laisser le verrouiller. Ah, c'est chaud! Ça a explosé! Ouah, mais c'est insane, c'est impossible, hein! Ok, faut pas qu'on décolle haut. Ouah, c'est abusé, hein! À peine j'ai décollé, il se brille! Allez, il prend un truc dans la gueule! Ouah! Ouh, c'était chaud, hein! On va réessayer. On va essayer. Du coup, ouais, vous restez à basse altitude. Bah, après, il aurait pu le dire plus tôt aussi, ce trou du cul. Hein. Après, il baisse pas beaucoup, hein, l'hélico. Hein. Il reste vraiment en haute altitude, en fait. Ouais, écoutez, hein, on va essayer de régler ce problème. Quoi? Attends. Mais non. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Le drone a décollé. Oh putain de merde, ça me cassait les pieds. Visuel sur un soldat. Tu les situes où? Là, près du conteneur. J'ai repéré un autre ennemi. C'était juste. Mmh. L'unité dans visuel. Aligné à la seconde où on aura décollé, vous le savez ça? Avec l'uranium à bord, ça m'étonnerait qu'ils prennent un risque. Pas vrai? Tu veux prendre le pari? Je me disais bien. Ça serait complètement débile.
Le plus débile, ce serait de nous laisser filer. Ils auraient plutôt intérêt à se débarrasser des preuves, finalement. Je vois une deuxième cible. Par là. Un, deux. Numéro 3. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Wow, c'est extrêmement chaud. Ok, c'est parti. Changer de place, tirer, pivoter, descendre, engage. Allez, on décolle. On va pas tarder à le savoir. Mais c'est gras, mais c'est abusé. Oh putain! On va rester coincé sur cette mission combien de temps là? Non! Putain! Casse-pied, hein. Vraiment, vraiment. Bon bah en fait il faut le. Il faut. En fait là j'étais bien, mais il faut que je l'ai. Il faut que je pilote. Enfin faut que je sois plus haut parce que sinon voilà quoi. Wouah, c'est chaud quand même. En vrai, ça me casse les couilles de recommencer, du coup on est là en mode totalement. Enfin rush sans être cramé. Ah par contre j'ai. Ah c'est ce que je pensais, j'ai pas mal augmenté mon son du casque. Ok, ensuite. Ok, on s'en tire bien. J'ai une cible. Ta gueule, la musique, là. Un système anti-aérien. Je désigne un ennemi. J'envoie un troisième. Bon, on va retourner éteindre le générateur. Un soldat de l'Unidad. Je les vois nulle part. Là, près du conteneur. C'est abusé, avancez là. Tu es votre si pote. Il n'a vraiment pas envie, j'ai l'impression. Je
c'est vraiment très très dangereux. Un soldat de l'Unidad solo vers l'héliport. Allez, 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 courez. Oh non, il va pas rester là, lui. Ouais, je préfère. C'est pas passé loin. Hein. L'obscurité les fait cauchemarder, on dirait. On dirait qu'ils ont peur du noir. Avec l'uranium à bord, ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque. Pas vrai? Tu veux prendre le pari? Je me disais bien. Ça serait complètement débile. Le plus débile, ce serait de nous laisser filer. Ils auraient plutôt intérêt à se débarrasser des preuves, finalement. Lieutenant désigné. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. D'être dans le noir. Ok, on va faire la même chose, mais on va un petit peu augmenter. On va en aller un peu plus haut finalement. C'est moi qui pilote. Oh putain de merde, j'ai peur, les gars, j'ai peur, j'ai clairement peur. Il y a des batteries sommes partout dans le secteur. Le seul moyen de leur échapper, c'est de voler à basse altitude et de passer par ce. On va pas tarder à le savoir. Oh, faut que je fasse gaffe parce que l'hélico il a déjà pris assez cher. Appareil non identifié. Vous n'avez pas d'autorisation de vol. Identifiez-vous immédiatement. Et merde, ils mettent la pression. Je dirais bien que je vous avais prévenu, mais faut qu'on leur dise quelque chose. Genre quoi? Qu'on a une pizza à livrer. C'est pas le moment de déconner, trop de malin. Appareil non identifié, répondez. Faut que j'évite de piloter avec la souris en fait. Ah non, mais justement en fait, c'est avec la souris qu'il faut piloter surtout. À mon avis, je me prends 3-4 balles, je suis décédé là. J'ai dit à Griffin que je pourrais me débrouiller pour piloter cet engin. J'ai mon brevet de pilote d'avion, mais pas d'hélico. Ça change quoi? Griffin a pris la bonne décision. Otsuka Bliet. Putain, comment je suis lent. Identifié, répondez ou nous ouvrirons le feu. Dernière sommation. Ah, c'est bon. La moitié de l'Unidad pour nous arrêter. T'énerve pas, on a vu pire. Accroche-toi, ça risque de secouer. On a besoin de cet hélico pour incriminer les Russes. Faut empêcher qu'ils le détruisent. En prime, autant éviter d'irradier la moitié de la Bolivie. Et nous, par la même occasion. Détruisons ces hélicos. Oh!
Mais quoi? Mais non, mais c'est sérieux. J'étais trop... Mais non. J'en ai marre. Moi, je fais la dernière phase de cette mission, sinon après, ça dégage. Ça me casse les pieds. Mais je respawn où en fait? Ouais, mais il est où l'hélico? Mais what the fuck? Ouais, ok, vas-y, go. Bon, le jeu apparemment est encore un peu buggé. Hein, Non, c'est pas ça la base. C'est chelou. Ça rallume. Ennemi sur zone, attention. J'ai repéré deux fusiliers vers l'héliport. Je déploie le drone. Quoi? Comme si un seul sniper ça suffisait pas, quoi. Abuse. On va prendre comme ça. Ouais, hop, on va juste avoir les snipers. Quoi? Oh putain! Hop, pas grave, ça dégage. Je vais prendre ta bagnole, FDP. Enfin, FDP, excuse-moi, mais monsieur le citoyen, si tu peux faire. Bon, allez, les gars, on sky! On sky, on se casse. Ouais. Il pleut, bergère. Entre tes mains. C'est good. Ok, on peut respirer. Les soldats ennemis ont perdu le contact et se retirent. C'est l'heure de terminer la busque. À ton signal. Oh 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 oh. Pilote. C'est grave quand même, je suis traqué maintenant. C'est grave ça, c'est grave. Salut. Je suis prêt, quand tu veux. Mais tirez pas, on est soupçonné. Bah en fait on est plus rien. Oh non putain. Mais tirez donc pas putain. Ah bah bravo, voilà, hop, accident. Bonjour. Ah, si on n'est pas cramé, c'est qu'il y a une couille. Hein. Tout près. S'il faut que je recommence la mission, j'arrête le stream. Hein. Ça commence à me, ça me casse les pieds. Ok, en gros on peut pas passer, sauf par l'entrée principale, on va essayer. Oh putain de merde. C'est chiant, c'est chiant. Ils ont posé des alarmes.
Ok, la porte ne s'ouvre donc pas. Normalement, c'est quand je m'approche avec un véhicule à eux. Même pas quoi. Alors là. Oh j'ai... Non, mais c'est. Hop, vas-y. Bon, fin du live, voilà. Merci d'avoir regardé. Ciao. Casse les pieds. À la prochaine.